Bonjour à tous, on se retrouve sur LS Actu Auto, la seule émission de Los Santos qui parle des voitures très chères et que vous pouvez acheter. Alors aujourd'hui, nous allons parler du nouveau Baleur blindé, la version LWB, c'est-à-dire une version plus longue pour pouvoir mettre plus de cadavres à l'arrière. Il bénéficie aussi de grandes portes arrière pour si vous avez une corpulence plutôt imposante. Vous avez aussi un sacré beau V8 de 5 litres de 0 à 100 en 9 secondes. Alors ce véhicule est pour toutes les personnes qui veulent survivre à Los Santos. C'est pour ça que ce véhicule sera mis à l'épreuve dans cette vidéo que je vous conseille de regarder jusqu'à la fin. C'est un engin qui est vraiment résistant et comme vous allez voir dans quelques instants, dans une vidéo à l'épreuve, vous allez voir qu'il est vraiment résistant. Et je vous laisse et je vous retrouve pour la prochaine Actu Auto. Eh bien salut à tous, ici Redjus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo avec mon petit portugais préféré, l'Asie. Salut. Bonjour, je m'appelle SkyHT Gaming et puis je suis maltraité par Ryan. Voilà. Oh, ça commence. Bon alors, je vais vous expliquer un peu le concept de la vidéo. Que vous avez vu le titre, c'est Attrape-moi si tu peux. Ou ça n'a rien à voir avec le mode POA ou un truc comme ça. Alors là, le but c'est comme que... Le film. Ferme ta gueule. Le but là c'est que on m'a mis une prime et le but ça va être de survivre aux gens de la session. Comme vous voyez, ça commence déjà, il y a déjà quelqu'un qui me poursuit. Il s'appelle Michel, il a 23 ans, en recherche d'amis. Ouais, mais c'est pas comme ça que tu te fais tes amis. C'est ça. Alors c'est une vidéo, je sais pas si elle sera très longue, il y aura pas mal de coupures quand on arrêtera de me poursuivre. Alors là comme vous voyez, il y a un mec qui me poursuit, je crois qu'il est en Cheetah. C'est une merde. Voilà. Ouais, il sait pas conduire déjà. C'est déjà ça. Et le but c'est que dès qu'ils auront ma prime, ben ils auront gagné. Et là c'est l'Asie qui m'a mis une prime. Alors l'autre jour on s'était amusé à faire ça avec un autre pote. Je te salue, c'est un abonné à moi en fait. Et je te salue. Alors je vous ai expliqué un truc qui était épique. Ok, le mec sait pas du tout conduire. Bon alors je l'observe. C'est une merde. Voilà. Alors ce qui s'était passé c'est que j'avais une prime de 7000 et j'avais ce 4x4. Parce que c'est un super bon 4x4 que je kiffe, parce qu'il est blindé et tout, il résiste vachement aux balles. Et il y avait un insurgent avec la version mitrailleuse. Ok, il y a deux mecs qui nous poursuivent. Ça commence bien. Ouais. Et les mecs ils nous poursuivent pendant au moins... Oh, le mec il est tombé. Il était en moto, il est tombé. Et il nous a poursuivi au moins pendant une heure. On a dû l'échapper dans les égouts et tout. Heureusement, comme il était blindé, mon 4x4, bah, il a survécu. Et aussi, il y a un autre coup, c'est que... Non, là, j'ai fait ma pute. Je l'accorde, j'ai fait ma pute. Alors, il y avait un défi. C'était le but, c'était de faire sans accident. De rouler sans accident. Et moi, ce que j'avais fait, bah... J'avais fait le défi, sauf qu'à un moment, à cause d'un petit truc de merde, ça m'avait arrêté mon défi. Alors là, je vois un mec qui arrive de l'autre côté, qui faisait aussi le défi, qui était deuxième, en moto en plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Bah je me suis mis sur sa voie, et je l'ai un peu, on peut dire, fait une faciale. On peut le dire, voilà. On peut le dire hein, Jackie. Et bien sûr, Michel.
Et après, il était énervé et tout, il est revenu avec sa moto. Il a commencé à essayer de me tirer dessus, à essayer de m'avoir et tout. Alors moi, j'ai pris mon revolver, j'ai mis une balle, il est mort. J'ai détruit sa moto pour pas qu'il revienne. Puis après, il a pris une Pagani, la Osiris. Alors là, c'était vraiment drôle parce que moi, j'étais allé pour réparer mon 4x4, au Los Santos du désert. Et là, je vois qu'il arrive et tout. Au moment où est-ce qu'il arrive, moi, je sors du LS. Et là, il arrive. Moi, je vais beau pour passer en tout terrain. Je passe en tout terrain, il joue au C4. Le mec, il a lancé un C4, ça lui est revenu dessus, il s'est explosé tout seul. Pas mal. Comme vous voyez, il Pas y de a respect, c'est actuellement ça. un mec qui nous lance un C4. Petite bite, voilà, on peut le dire. Pire, Actuellement, je suis il y comme une a... balle, mais bon, j'ai pas envie de péter des Non, non, fenêtres. casse pas les vitres, casse pas les vitres, t'inquiète pas. Les mecs, ils savent pas conduire dans ce jeu. Je l'observe. Attends. Puis on peut pas l'observer avec rond, je sais pas quoi là. Non, merde, erreur. Vas-y, explose-toi, va à côté de lui, putain. Oh, Roule, what? roule, roule, On a volé, mec. Bon, le mec, je crois qu'il a cru qu'il nous avait tués. Ouais, c'est ça. En fait, non, ferme ta gueule, c'est tout. Voilà, t'es une merde. On va vite réparer parce que sans vitre, on est un peu vulnérable. Je On peut pense le dire. Il est un peu mal au point là. Il s'est dit, oh putain, je les ai niqués 7000 balles, allez. Et bah non. Voilà. Eh ben non, tu nous as pas tués. J'avais un 4x4 blindé. C'est pour ça que j'ai pris le Range Rover blindé. Hein. Franchement, Pourquoi m'as-tu amené ici? Je sais pas. Je voulais une petite pipe après. Il y a un club de striptease à côté, on peut y aller, on peut y aller. Ouais, mais on n'a Allez, pas le trop de Michel. temps là. Ouais, c'est ça. On va aller dedans, on va faire surprise, motherfucker. Boom. Oh, il revient. Ah non, c'est un autre. Bon, on va vite réparer, mec, parce que là, sans vitre, Ah ouais. on est vulnérable. Et en plus, là, il résiste qu'à un seul C4. Ah oui, aussi, j'espère que vous avez apprécié la petite intro, un peu d'introduction avec le 4x4. J'aurais, ou est-ce que t'as lancé un C4? Non, c'est arrêté, what? Ah Ah. ok, ça veut dire. Et Intéressant. j'espère que vous avez apprécié, ou est-ce que je présentais un peu le 4x4, un peu en mode. Voilà, en mode concessionnaire? Jackie. Non. Ouais, Bon, alors. et voilà, après, écoutez, hein, c'est une vidéo qui aura pas mal de coupures, je pense, parce que le temps que les mecs nous poursuivent et tout, S'arrêter à l'amination. il allait chercher des C4. Viens, on va le Je te mets à narguer. côté de lui, bonjour. Ouais, vas-y. Bonjour monsieur, voulez-vous agrandir la tête de votre pénis en seulement 3 étapes? On dirait que tu vas sur des sites illicites, hein? Ah, n'est-ce pas, David? Non, tu vois, parce que hein, on peut le dire, je suis déjà assez bien monté comme ça. Alors si je fais en plus ça, ça fera 2 mètres, tu vois, ça surpassera l'imaginable. Tous les Chinois au monde réunis ne feraient pas la même taille. Bon, ok, c'était C'est raciste, désolé, raciste. voilà. Ah, le mec, il revient, mec. Celui qui a cru qu'il nous avait buté. Attends, on va l'attendre un tout Oui! petit peu. C'est Michel! On a retrouvé Michel! Tu crois qu'il est encore en moto? Attends. À mon avis, peut-être. Ouais. Ouais, parce qu'il conduit un petit peu bizarrement sur la map. Mais qu'est-ce qu'il fout, putain? Non, il est en voiture parce qu'il a fait un 3-6, voilà. Il est en blista. Putain, le Et il a un mec. C4 à la Il a main. déjà le C4. Bonjour, je suis un C4, aidez-moi. Ok, il a essayé de faire un truc, ça n'a pas marché. C'est une merde. Il s'est S'est pris planté? le truc dans la gueule. Ouais. Bonjour. Putain, on passe devant plein de gens, ils sont là. Ouais. Putain, il y a la condamne, Noé. Attends, ils vont venir aussi ou pas? Non, eux, ils s'en battent complètement les couilles. Eux, ils doivent avoir du pognon, Ah, ils ils doivent se sont dire qu'est-ce que butés. je. Ok. Ok. Vive l'amitié. Oh, je gagnais 3000$ pour bon comportement. Oh, D'accord. mec. Le mec, il arrive en face. Putain. Là, je vois pas vu que je suis en train de mettre l'argent dans mon compte.
Juste le bruit, non, voilà, ça non, suffit. Non. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé, mec. Tu es une merde. J'ai envie d'aller dans le chat du jeu et dire tu es une merde. Voilà. Il t'a dégoûté, mais le mec. Il doit replier sa voiture. C'est encore pire que le. C'est encore. En plus. Oh putain, on va. Mec, il faut vite que je répare les vitres. Ouais, parce que sinon. Ouais, ouais, il est juste derrière. Attends, il se ramène quoi. Mec. Il a une rue de nous. Sa voiture, je suis sûr, elle vaut plus cher que la prime. Ouais, c'est ça. Oh, il doit être dégoûté, dans le mec. Tête, il doit être dégoûté, mec. Il doit être là, putain, j'ai même pas assez d'argent pour nous. Bac tout fragile. Oh putain. Bac tout fragile. Oh mais mec, ah c'était. C'était épique. Le mec il m'a lancé un C4, ce con, il a fait exploser le C4, il est juste derrière. Bah il a explosé aussi hein. Attends. Bonjour. Le lui mec nous a klaxonné, il s'en bat les couilles. Mais là, salut, vous avez une prime, je m'en fous. Voilà. Je m'en bats les couilles, j'ai ce qu'il faut. Alors qu'il avait une voiture de merde, on peut le dire. Bonjour. Du coup, quand il a dit. On provoque un peu les mecs, hein, sinon c'est pas marrant, les gars. Ça, ils ont vraiment quelque chose à faire de nous. Parce que, juste pour la prime, voilà. Il y a tout qui explose dans cette. Oh, il y a notre ami qui. À pied. Ah, il est plus. Bonjour à pied. Michel. Bonjour. Et non, tu as foiré ton C4 parce que tu es une merde. Il a foiré ses deux C4. Il a failli se faire re-exploser. Bah, il te rend compte qu'il se refait exploser. Je crois que là, il déprime. Là, je crois qu'il quitte la session. Ma vie, c'est de la merde. La preuve, il s'est barré. Oh putain, connexion interrompue. Oh. Voilà, connexion de Pakistanais, du. En plus, je suis, non, de du Portugais. Pakistan, je suis au McDo du Pakistan. Voilà. Y'a quoi du McDo. T'as amené la PS4 au McDo, tranquille. Bonjour, vous avez un écran. Oui, mais c'est pour afficher nos burgers. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, le client est roi. Voilà, le client est roi. En train de se. Coucou dans les. Ok, oui. Comment dire, j'ai un peu emmerdé un mec en Kuruma blindé et là il me poursuit. Ouais, donc. Ouais, je peux faire des dégâts. Non. Sa voiture a un C4 et elle explose. C'est bon, c'est fini. Ouais, mais bon, tu vas pas. Bon, je l'attends un peu parce qu'il est un peu lent. Je l'attends un peu. Bon, il allez, est pas très rapide. Hein. Bah, la Kuruma en même temps, s'il est pas amélioré, voilà quoi. Je sais pas si elle est pas améliorée. En plus, il sait pas conduire le mec. J'ai juste passé devant lui juste pour le narguer. On va voir bien. Allez. Ah, coucou, en fait, coucou, coucou. Ah, c'est marrant quand même les mecs comme c'est des gros dalleux de merde. Des fois, même juste pour 1000$, ils te poursuivent toute la map. Non, moi franchement, quand je poursuis les gens qui ont des primes, c'est juste pour m'amuser en fait. Grosse poursuite au calme. Oh, il me tire dessus et merde, bon pare-brise avant, il est il est déjà mort. Merde. T'inquiète, appelle Carglass, allez. C'est pas rond, c'est en moins de 2. Ouais, mais je sais pas si l'impact il fait plus petit qu'une pièce de 2€. Ouais, c'est ça. Bonjour. Oh, j'ai décrasé une meuf. Mais une vraie joueur. Ah merde. Je crois qu'elle a eu même ses règles sur là, mon capot. On met la petite musique. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je vais réparer votre impact. Ce n'est plus un impact. Pourquoi non, comment cet impact s'est passé là. Ben j'avais une prime dans GTA 5 et on m'a un peu tiré dessus. Voilà. Coucou. I'm coming. Coucou. Coucou. Oh, le mec il m'attendait avec sa Kuruma, il me tire dessus sauf que comme j'ai vite blindé, ben nique ta mère. Putain, comment je vais venir sans. Ah, c'est bon, il y a mon véhicule qui a spawn. Bonjour. Attends, je viens de chercher. Vous pouvez pas m'écraser. Non, c'est bon, je me dirige vers toi. Tu montes avec moi, hein. Attends 2 secondes, je reviens. Alors aussi, les gars, juste comme ça, je voudrais vous remercier parce qu'on a passé les 150 abonnés. Alors, merci, franchement, merci, vous êtes vraiment...
au top. Mais vraiment au top. On va chercher notre ami Lazy, même s'il est, il est un peu, voilà quoi, il s'est un peu barré. On va. Mec, dépêche-toi de monter vite, 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 Mais vite. mec, attends, j'ai essayé de buter. Vas-y. Casse-toi, Ryan, casse-toi, casse. Ok. T'as pas un petit C4 ou quoi? Le problème c'est que ça me Merde. casse la vitre. Si je... Ah. Ouais, bon, il m'a buté parce que j'arrive pas à le Non mais je chercher. reviens te chercher, je vais vite te chercher, Voilà. on se barre. Ouais, parce qu'en fait j'ai bugué, ça m'a TP dans mon véhicule. Ça Connexion m'a pas de TP, mais ça m'a mis merde. dans le véhicule. Tu m'as compris, voilà. Bonjour. Bouge, 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 bouge. Vas-y, bouge. C'est bon, vas-y. Sans. Go, go, go. Oh là là. Putain, ils sont deux. En mini en plus. Le mec, il croit vraiment qu'il va faire quelque chose. Oui, allez, je vais le pousser, putain. Ah, je suis sûr que c'est un niveau 1, attends. Il s'est C'est fait Luca, buter, je sais je pas quoi, crois. non? Non, c'est pas lui, c'est pas le niveau 1. Bonjour. Et il me tire dessus en plus. De prendre un strike. Un peu con. Je peux te chercher. Non, j'ai fiché un mec comme ça. Je suis rentré dans sa voiture, je m'étais sur la radio. La violence. Je Oh merde, il y a un autre t'avoue. mec. Mec, on s'est fait encercler. Il Putain, y a un autre mec. mec qui arrive en face. Ah, mais c'est les deux là. C'est les deux qui se butent, non? Ouais, voilà, regarde. Ils sont en train de se buter encore. Bon, le temps qu'ils se butent, on se casse, hein. Ouais, voilà. Bon, c'est pas super là, il y a que deux personnes qui me suivent. Flemmard de merde. Bah, il a pas fait beaucoup de vidéos. N'est-ce pas? PD. Non, je vois pas de quoi tu parles. Bon. Oh, non, c'est pas Bon. fini les gars. On nous poursuit. On nous poursuit, c'est pas fini. C'est pas fini. And his name is John. Non, ok. Ah non, il y a juste un mec qui nous a tiré dessus, mais c'est pas fini. Ah. Et c'est pas fini, et c'est le mec tout à l'heure avec la Kuruma. Oh là Il là, nous voit lui il vraiment te lui. lâchera jamais. Ah, je crois qu'il nous lâchera jamais. Bon bah la vidéo His sera name est pas is encore finie. La vidéo n'est pas encore finie. John Cena. Ok. Ah non, ok, il va tuer un mec qui était tranquille dans un magasin de vêtements. Putain, mec, j'ai réussi. Oh putain. C'est le plus beau jour de ta vie. Applaudissements, s'il te plaît, allez. Merci, merci. Bon, J'ai juste comme applaudi ma ça. connexion. Voilà. Juste comme ça, le mec me poursuit toujours, hein. Je sais pas, le mec m'a dit que c'était la fibre, mais je ne crois pas. La fibre, tu vois la fibre en mode Somalie. ouais. En mode Pakistan. Ouais, c'est ça. Putain, il y a la pub pour l'amination à la radio. Oh, vas-y, Ok. monte vite. Non, tu t'es trompé. Reste là. Bon, bouge ton cul parce qu'il y a un peu un mec qui arrive là. Ok. Monte! Ah ouais, bah ouais. Monte! Moi j'allais Monte! tout le tour. Monte! Ici Oh toi non, aussi. non, t'as encore Il est con. quitté! T'as encore quitté! Mais mec! Oh là là, je crois que ta voiture est maudite, c'est tout. La voiture tueuse de connexion. C'est ça. Je rentre dans la voiture, boum. Putain, mais mec, j'ai jamais vu une co aussi pourrable. Non mais mec, même moi je me plains de ma co parce que juste pour mettre une vidéo en ligne ça dure très longtemps. Mais j'ai jamais vu Non, moi ça. pour les chargements, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais par contre pour jouer, non. Non, pour jouer c'est va te faire enculer, je nique ta mère, c'est ça? Ouais, voilà. Bon, lui il va pas nous lâcher. Bon bah les gars, après dès que je pense que lui nous aura lâché, je pense que ça sera la fin de la vidéo. Je pense que je monterai plus dans ton 4x4, voilà. C'est ça. Ouais, t'es rodé. Retenez bien ça, n'achetez pas 4x4 parce que c'est un beau connexion. Voilà. Non, si vous avez une collection de merde comme l'Asie, n'achetez surtout pas ce 4x4. Ok, il persiste le mec, il me tire dessus.
Et merde, j'ai une vitre cassée. Déjà de base, si t'as une bonne collection, évite d'acheter GTA, voilà. C'est ça. Même si t'as une très bonne collection, évite d'acheter GTA. Parce que tu peux avoir la meilleure connexion au monde, c'est là où est-ce que tu vas plus bugger. Il y a des bugs. Putain, je regrette ma connexion. Ah bon, elle était juste à côté de la Play en plus. Oh. Pauvre mec. Désolé pour toi. Il a l'autre bout parce que le... L'embout pour la fibre est à l'autre bout. Moi j'ai pas de fibre, je suis en ADSL et la connexion est plutôt pas trop mal. Je suis rentré au LS au moment où est-ce que. Oh, mec, je suis rentré au LS. Non mais mec, tu l'as déjà échangé ta play, c'était pareil. Oh, ça peut pas être ta play. J'ai changé 3 fois ma play et Ouais, mais le truc c'est que sur mon ordi, la co est putain de bas. Sur mon téléphone aussi et sur la play, non. Non, on vous emmerde, voilà. Tu viens encore de requitter. Oui, je sais. Oh mec. Mais c'est écrit si je veux requitter la session, tu veux que je te dise quoi. Le mec il persiste, hein, il veut toujours me poursuivre, hein. Il veut vraiment ma prime. C'est que 7 000 $, merde. Dans GTA tu peux rien faire. Limite tu t'achètes une barre. Mec. Une barre chocolat. 7 000 $ sur GTA, tu te les fais en 2 secondes, mais tu te prends une voiture. Bah c'est bon, tu la vends. Bah c'est un peu ce qu'on a fait là. Comment dire, c'est un peu ce qu'on a fait là parce que l'Asie qui avait pas de sous pour la prime, enfin pour mettre une prime, bah on a un peu trouvé une solution. Et la solution c'est qu'on a vendu une voiture. Juste comme ça, le mec me bien sûr, poursuit c'est à moi, voilà. Plus ou peut-être, je sais pas. N'est-ce pas Ryan, la voiture elle était à moi bien sûr. On va pas se le cacher, ouais. Elle était à moi. Elle était un peu volée. Enfin, elle était empruntée de longue durée. Voilà, emprunt de longue durée, payable à 30 jours. Voilà. Sous condition des magasins. Voilà, des magasins de voitures sur GTA. Bon, si on va aller voir si les mecs. On va provoquer un peu les mecs et s'ils viennent pas nous chercher, bah, ça sera la fin de la vidéo, les gars. Je pense qu'elle aura duré si un bon moment. Rejoindre... Attends, je suis dans ta session là. Oh mon dieu! Oh putain! Oh là là! Meilleur jour de ma vie! Ah c'est le meilleur jour là, de ta vie! Je monte pas c'est dans ta voiture! Non! Je vais prendre ma Kuruma. Tranquillement. Oh, il me tire dessus! Ouh là là, j'ai des vitres blindées! Ouh là là! Après, on se fait un petit Need for Speed ou pas? Ouais. En plus, il y a Soso, il est en fan Need for Speed. Bon, ça a rien à voir avec la vidéo, hein, je vous dis. Mais voilà, comme on est des thugs. Ouais, comme ça, des thugs life, tu vois. On a pris des cours avec Snoop Dogg. Bien sûr, on connaît. On filme de la vie tous les jours avec lui. Oui! Oh merde! Oh, le mec, je l'ai écrasé. Il m'a fait décoller, j'ai fait un tonneau à cause de lui. Ah. Je l'ai tué et j'ai fait un tonneau. T'as juste oublié de dire un truc quand t'as fait ça. Je suis une libellule. Je suis une libellule. Oui. Bonjour. Au revoir. J'ai écrasé un mec. Il y a un mec devant mon garage. Bonjour. Bonjour. Je suis une libellule. Bon, j'arrive plus à le non, faire. Non, non, non. Mais putain, mais nique ta mère, fils de chien. Voilà, c'était violent. C'est vrai, mais c'est. Mec, je veux rentrer nique ta dans mère, mon garage. Fils de chien. C'était vraiment violent. Mais mec, je veux rentrer dans mon garage. Le mec ne me laisse quoi pas. Il a réussi à me buter. Bon bah c'est bon, il a réussi à me buter. Je sais même pas comment les gars. Il a réussi à traverser la vitre. Bon bah les gars, c'est la fin de la vidéo. Ça s'est mal fini. Même si on a bien résisté, on peut dire. Non. Bon bah les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était NG160, allez, ciao ciao. D'abord on tue ce mec et après on se barre. Voilà. Fils de chien, il y a pas qu'à la tuer sans t'enfoirer, voilà. Bon, attends, on va juste avant de quitter la vidéo, je vais juste voir mon 4x4 comment il a réussi à traverser la vitre. C'est ça que je comprends pas, il a réussi à me buter avec la vitre avant. Oh, vous appréciez ce sanking vraiment horrible avec du vert et du violet. Ah, tu l'as vu? Ouais. Bah il vient de sortir de devant moi.
Faut juste que je me baisse parce que là il y aura le gars de nouveau qui va me faire chier pour sortir. Ah oui, d'accord, j'avais plus de vitre avant, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a réussi à me buter, ah, j'avais plus juste de vitre. Là en fait. Ouais, ouais, j'étais juste là, j'étais juste venu te voir, sauf qu'il y a un peu un mec qui m'a un peu tué. Bon, les gars, je vous invite bien sûr, comme je vous ai dit, à abonner-vous, à partager la vidéo parce que c'est. À partager, ça peut me faire connaître à plusieurs personnes. Vous pouvez faire découvrir ma chaîne à vos amis. Ça serait vraiment un truc génial. Et pour conclure la vidéo, on va faire le grand saut dans l'eau. Tu dis ça pour avoir de la YouTube money et pour te payer de la coke, c'est ça? C'est ça. Je me suis fait découvrir. Oui. Bon, on va. Je vais vous laisser, les gars. Mec. Oh là là. L'Asie est en pleine dépression. Je vais vous laisser, les gars. Je vous laisse sur ces images. Et je vous dis ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de mon cher ami SkyHD Gaming. Je la mettrai dans la description. Tu es tombé en dépression. Je vous dis ciao, ciao, les gars. C'était NG60. Allez, peace!